Bonjour à tous. Et bonjour. On se retrouve autour d'une table pour un jeu de société. Moi, ça faisait très longtemps que j'étais pas venu faire un petit peu de jeu de société. Toi aussi, Fred, ça fait longtemps que t'es pas venu. Mais oui. Et non, c'est pas Fred, c'est Elle au carré. Salut tout le monde. Rappeur de profession, j'ai même été dans un de ses clips. La classe, ouais, exactement. Je suis dans le game, ouais. Ça y est, je suis dans le thème. Mais t'as fait d'autres bons clips après. Oui, ça va, il y en a d'autres après. Faut démarrer, c'est normal, attends. C'était son premier clip, c'était ton premier clip en plus. C'était le premier gros clip, c'était un clip tourné à l'U Arena. Que j'étais encore coincé après le tournage qu'on avait fait. Le jeu des générations. Tu m'as pas invité sur l'enregistrement? Ah oui, il y a eu des petits soucis techniques et tout, à revoir avec le temps, voilà. Là, c'est la classe, les gars, je suis avec vous, je suis avec la team de choc, il manque plus de Fred. Non. Et c'est la team de choc. Si t'es avec nous, c'est que ta carrière, elle est en train... Fais l'album de la naturalité tout de suite, hein, parce que là, c'est fini après. Nous allons jouer à un jeu qui s'appelle So Clover, qui est un jeu de complicité. On joue tous ensemble. C'est Repos Productions qui fait ça. C'est distribué par Asmodée. Le but du jeu, c'est extrêmement simple. On va avoir les petites cartes comme ça qui vont sur le truc. Donc 4 chacun. Et là, on va placer au hasard les cartes. Le but, ça va être d'essayer de replacer les cartes des autres. Je vous montre le mien et je changerai les cartes, ok? Là, par exemple, si j'ai marque oiseau, je vais devoir essayer de trouver un indice ici. Je vais écrire un indice qui peut vous faire comprendre ce que c'est une marque oiseau. Donc par exemple, coq. Ça vous fera peut-être penser à coq sportif. On a le droit aux mots. On a le droit aux mots composés, donc grands-parents par exemple, on a pas plusieurs mots et on a droit aux chiffres si par exemple on va mettre 12. Une fois qu'on a mis ces mots sans regarder les cartes des autres, on reprend nos cartes et on en rajoute une pour ajouter une difficulté. Et là on mélange. Et vous devrez trouver mon ordre des 4 cartes, lesquelles c'était. Si vous trouvez tout, l'équipe a 6 points. Si vous en trouvez que 3 par exemple, je retire celle qui est pas bonne et vous avez encore une chance pour trouver. Mais si vous trouvez pas tout d'un coup, vous aurez 4 points. Je propose une petite partie comme ça et après une petite partie en compète diagonale. Allez! C'est pas dans les règles du jeu, mais j'ai envie de le tenter quand même. C'est très dur là. Collègue détestable, qu'est-ce que je peux trouver comme... Il est pas mal d'inventer des mots. D'accord, donc bligloblule, j'ai compris. T'es en train de faire des rimes toi? Non, grave pas. Moi j'ai envie de dire, faut qu'on fasse 20 à nous 4. Qu'on boive du vin. Qu'on boive du vin. Bon, on peut faire ça, ouais. Là on est costaud. Bon, bah mange. Honneur à l'invité du jour. Franchement les gars, je suis allé plutôt loin, essayer de, voilà, de rentrer dans ouais. Dans ton mindfuck. Exactement. Arme, mort, fusée. C'est le vocabulaire de l'armée. Arme, fusée. Mort, humour. Les mots les plus généralistes au monde. Là on a tombe, on a solitaire, on a train et ours. Donc okay. Si tombe. Il peut être là pour l'instant. Ou alors. Rien, il pourrait être là, mort et humour, solitaire. Ou sinon c'est train, arme. Un train qui transporte des armes. Prison, danse, couronne, matière. Héroïne, salle, outil, cheveux. Cheveux, humour. Ah bah si, c'est marrant. Ah bah rien à coupe. Comédie missile, c'est là. Comédie missile, ouais. Fusée. Ça sent bon ça sent bon. Et ensuite double, police armée. Police arme. Air fusée. Ah non, ça va pas. Oui, mais ça se trouve, on s'est trompé. Non, pour moi, arme, c'est police. Et double fusée, genre double missile, ouais. Quoi. Il y a deux missiles sur une fusée. Quand on fait décoller deux, quoi. Deux. Ouais. Ça marche pas du tout. Et il a pas mis un pluriel. Humour est mort. Héroïne, c'est mort. Hein. C'est la mort, c'est genre. C'est la drogue. Avec salle de spectacle. Salle, comédie, humour. Prison. Alors moi j'ai vu des spectacles, on était en prison. Hein. Ah ouais. Ah, il y avait l'ambiance, hein. Salle et héroïne. Ça, depuis tout à l'heure, il dit rien, il a aucune idée. C'est tellement frustrant. Depuis tout à l'heure, il donne pas un conseil. Mais j'ai pas le droit de parler, c'est pour ça. On est en avant, on est là, c'est sympa, le gars. Bon, bah je viens. Est-ce que la tombe, ce serait pas ça? Tombe, mort, solitaire, one man show. Ah. Bah, franchement... Pas à parler. Les cheveux, ça peut être une arme? Catégorie 4. Allez, on laisse comme ça. Alors, maintenant, s'il y en a une qui va pas même dans le sens, tu la retires et tu dis rien. Et okay. Ensuite, t'expliqueras tout. Parce qu'on a encore le droit à une possibilité. Ok, je regarde ça. Ah, c'est pas mal, il en a que nous deux. Il a enlevé alors qu'on avait mis quoi? On avait mis police là et double. Ne doutez pas de vos capacités. Ayez confiance en vous, les gars. D'accord. Donc, danse de missile est une fusée. C'est un outil, une arme. Salle de fusée, bon, pourquoi pas. C'est une salle de pilotage. Voilà. Salle de contrôle. Police, c'est l'arme. Et R, c'est quoi, mort? Est-ce que vous avez terminé, les gars? Ouais. J'ai l'honneur de vous annoncer que tout est bon, ça y est, les gars. Allez. Il a forcé un peu. Ouais, genre, ouais. C'est bon là, c'est fini maintenant? Est-ce que vous avez terminé? Je sais que vous hésitiez, vous allez encore trop de vous tromper ici. Ouais. Quand tu meurs, donc il y a la tombe et tu montes au ciel et dans le ciel il y a de l'air. La police, arme, outil. Bah oui, dans la police, les armes, outils. Salle, exactement, parce que j'ai pensé missile, donc missile, fusée. Dans une fusée, elle est contenue dans une salle. Mais franchement, vous êtes chaud les gars. On n'a pas 6 points parce qu'on a mis 2 coups, on a 4 points. Vachement bien déjà.
Guillaume, allez. Déjà, il faut comprendre. Alors, médicaments, dorure, volaille, Gazprom. C'est une grande entreprise russe d'énergie. Et donc, il y a deux mots qui font penser à une grande entreprise russe d'énergie. Ah, Russie, énergie. Chanson, gare, gorge remise. Lunettes, place, roi, sirop. Dragon, Europe, réparation, victoire. Cœur, gaz, appétit, derrière. Et décoration, caravane, recette. On a déjà gaz et cœur. Le cœur de la volaille. Décoration avec dorure et on aurait recette volaille. On a médicaments. Sirop. Bah, roi dorure, la couronne. C'est très bien joué ça. Et Gazprom et médicaments. Europe, réparation. Genre médicaments, ça répare. Europe en Russie. Je crois que c'est un sans faute. Je crois que c'est un sans faute. Je crois que c'est un sans faute. C'est un sans faute. Let's go! Let's go! 6 points. Je vous donne mes mots. Donc il a bien écrit déjà. Merci, ça me fait plaisir. Chargeur, œuf, rasage, pain chocolat. S'il avait dit chocolatine, ça passait. Ouais. C'était en un mot. Pain chocolat, c'est comme grands-parents. Je te mets un tiret. Moustache, chirurgien, argent, pizza. Poule, vélo, miroir, balle. Météo, vie, tomate, gris. Taille, camp, croissant, prise. Boîte, bouquet, mer, œil. Prise, la prise, prise. Chargeur, prise. Moustache, regarde. Rasage. Pizza avec œufs, soit chirurgien, pain au chocolat. C'est vrai qu'ils en bouffent beaucoup. Attends, poule. Ça me fait des œufs. Peut-être qu'on est allé trop vite, les gars, mais croissant, prise, ça passe. Ah oui. Tout fonctionne trop bien. Pizza, moustache, oui, ça passe. Ah. Moi, je tente un boîte de pain au chocolat. Et bouquet. Le bouc, quoi. Ouais, c'était un peu... Ça même pas qu'il soit parti là-dessus. Ok, on se stoppe là. Ok, vous stoppez. Donc... Aïe. La poule et l'œuf. C'est celle dont on était le plus persuadé en plus. Ah, donc le bouquet, il m'a pas fait... Pas fait son effet, là. Donc la boîte 2. Ah, la boîte 2, c'est pas con, hein. Ouais, mais bouquet chargeur. Ah. Miroir, rasage. Parce que tu te rases devant un miroir. Le bol de pain chocolat, quoi. Ouais, le piège. Le gros bol, quoi. Piège. Ah ouais, le piège. Bah, ça pourrait être ça, parce que je me dis, grammaticalement, il y a un point commun. C'est œil au pluriel, ça fait yeux, et œuf au pluriel, ça fait œufs. Et si t'as réussi à rentrer dans sa tête, vraiment, ça c'est... Bravo, messieurs. Bravo, bravo. Tout était parfait. Le seul rapport avec une pizza et un œuf, c'est que c'est l'œil de la pizza. Ah oui. Que je fais les tours en train d'attaquer. J'aime bien le bol de bain. Bah non. Et depuis tout à l'heure, vous réfléchissez avec un bol de pain au choc. Oui, génial. Oui. C'est balle de pizza. Pourquoi balle? Je sais pas, croissant, pain au chocolat. Trouver un lien entre un bal et un croissant, compliqué. Donc c'est parfait. Vous avez trouvé avec un nouveau mot. Et là, il y avait pas le lien, vous avez trouvé. C'est parfait. Et bah 4 points. Les gars, moi j'y crois, est-ce que vous y croyez? Ouais, non, très peu. Je suis à don. J'y crois pas, hein, mais je suis à don. Okay. Donc, fouetté, vertical, vierge, chaud. Bah tout ça c'est une relation sexuelle, hein. Ouais. Fouetté, crème. Crème fouettée, ok. C'est dur de pas parler. T'as vu comment c'est frustrant, de ouf. Avec chaud. Du vin chaud. Du vin chaud. Il n'y a que crème fouettée, on est d'accord là-dessus. Bah, à moins qu'on se soit fait piéger, mais... Et à moins que ce soit un travail chaud. Mais je vois pas ce que c'est un travail chaud. Putain, je suis arrivé à 8h, c'est chaud. Est-ce qu'il peut l'être vertical? La France, c'est vertical, la France. Hein. Chaud lapin? Ah, c'est pas mal, chaud lapin. Qu'est-ce qui est vierge? Vertical. On avait dit propre, hein. Ouais. Et une cheminée, c'est vertical. Ah, grave, bah oui, si. Ah ouais? Tu sais, dans les maisons... Non, mais j'avais cru comprendre ce que c'était une cheminée. Hein, Pierre n'a pas l'air très convaincu de notre prestation. Ah, c'est pas de vin chaud. Il nous a enlevé chaud lapin et vierge physique. Donc, est-ce qu'on repart sur l'idée du vin chaud? Mais le bateau vierge. Ah, le fameux. Oui. Le porte-avions, le grand. Oui, là. Ou alors, se trouve, il a bradé. Il a pas réfléchi. Il a été un peu con, quoi. Fouetté, dressé, ça peut passer, hein. Ah bon? Vu qu'avec crème... La crème dressée, t'es la bonne crème dressée. Ah, je sais pas, c'est dur, là. Je suis perdu. Arrêtez-vous quand vous voulez. Bah, on va s'arrêter. S'arrêter là? Ouais, déçu. Mais bon, je me rends compte qu'en fait... En fait, t'étais pas bon, hein. Trop loin, je pense. T'as trois personnes qui ont pas réussi à réfléchir comme toi. Ouais. Alors, trois cons, certes. Oui. Moi, j'avais mis voile et vierge parce que j'ai l'image un peu à l'ancienne de la femme mariée. Un lapin. Chaud lapin. Okay, lapin et faille, j'ai pas trouvé en fait. 2 points. Aïe, aïe, aïe. La déception, aïe, aïe, aïe. Les gars. On est sur 16. 16 points. 16 points. Je suis un petit peu déçu, mais. C'est pas grave, on va se refaire. Hein. Est-ce qu'on se ferait pas une petite partie en duel? Allez! Je suis avec Loïc, Benjamin est avec Guillaume. Je propose qu'il y en ait un qui fasse les cartes, un qui essaie de deviner et on fait juste un duel à la mort comme ça. À la mort? À la mort. On se tue. Ouais, mais. Enfin, je suis cité. Je vais aller à la mort, c'est chiant. Qui de vous veut placer les mots? Plaçage de mots! Il fait quoi, Loïc? Il réfléchit après pour deviner. Je suis à voir. Tu veux placer les mots? Tu le sens comment? J'ai été très mauvais sur le. Ok, c'est vrai, jamais oublié. Vas-y, je vais placer les mots. Donc le trèfle à 4 feuilles, quoi. Ouais, c'est un symbole de chance. Pourquoi il y a eu le chance par rapport à ça? Le mot trèfle, froid. Et
ferait un crèfle. Ouais, voilà. Tu es très chanceux car il a 4 feuilles. Hello, carré, quoi. Hello, cax. Que je te fasse un petit extrait. Ou, alors, je préfère écouter directement ce qu'il fait. Ah ouais. Ça va être beaucoup mieux. Ça y est, je suis dans. Quoi? On dirait que tu cales en fait à chaque fois. Il y a une moto qui démarre mal. Allez mon Guillaume! Franchement, je suis très confiant. Qu'on va les avoir dans un duel à la mort. Je pense qu'on les aura dans les duels à la mort, je pense. C'est possible en effet. Pierre, je vais te demander de mettre le katana sur la table. Puisqu'à la fin, il y aura mort. Ah, c'est un vrai katana les gars? Si c'est un vrai katana. C'est un Hattori Hanzo, s'il te plaît. Wouah! C'est méga stylé les gars! Ouais, j'ai mélangé, ouais. Tiens, une carte à mélanger aussi. Tu mets la pression là. Tu as repris une carte? J'ai repris une carte, j'ai mélangé tout. C'est bon. Guillaume, ton plateau. Il y a Rodin, Litry, Jean de la Fontaine, Ballet. Qui écrit comment Ballet? Il manque le S. T'as pas fait le truc humiliant un petit peu du prof qui fait la lettre beaucoup gros. Plus grosse pour bien montrer qu'il y avait une faute. C'est grave ça. Allez, ça passe pour cette fois. Mais que tout le monde le sache, hein. Il est bête. Alors j'ai vampire, huile, collier, cuisson, fleur, pêche, voyage, bras, musée, blé, canal, toit, tortue, statue, cabane, grain, grille, frère, navet, enveloppe. J'ai envie de dire Rodin musée. Ça ferait soit Jean de la Fontaine blé, soit Litry toit. Il y en a un qui me paraît évident. Blé parce que les animaux, on verra, on verra. J'ai ensuite Jean de la Fontaine, la tortue, Litry, ça serait toit, coussin, Litry coussin. C'est impossible là, j'ai pas envie de mourir, putain. Ah, je crois que j'ai tout. Ah, c'est... Aïe, aïe, aïe. T'es gros chien. Ah, je le voulais pas. Je pensais pas qu'il allait... Ah, avec le recul en arrière. Ouais, c'est bon. C'est bon, moi j'ai tout. Moi j'ai plus besoin de réfléchir. C'est bon, je suis pas con. Peut-être qu'on tout raisonnement est mauvais. Ah bah, c'est pas peut-être, hein. Non, mais si on va pas là... Même s'il y a tout bon, hein. C'est quoi? Ah, bah c'est celui-là du coup. Je m'arrête, sinon ça prend trop de temps sur nos amis. Il a 2 de juste et 2 de faux. Aïe, aïe, aïe. Ah, coup de théâtre. Non. Et du coup, t'avais tout bon? Ah non. Statue musée, brosse balai, Rodin. C'est des statues... Presque parfait. C'était le pire. Non, mais celui-là, je savais pas quoi faire. Enveloppe pour Litry, le côté... Il y avait coussin, je m'étais dit, il va le trouver, donc c'est bon. Et enveloppe, je me disais, bon, on peut trouver un petit lien. Et j'ai pas eu de chance, je suis tombé sur le musée. Bon bah, 3 points. On a de quoi faire. Franchement, on a de quoi faire. Un petit ralenti, un petit rewind sur le... Je crois que j'ai tout. C'est pour mon orgueil, c'est bête, c'est de l'ego. C'est de l'ego. Ah, je crois que j'ai tout. Alors, donc moi, mon trèfle, il y a le mot bâtiment, cousin, action. Parce que les gars, elles sont plus. Non, voilà, à pas comprendre, attention. Et le mot ménage. T'as oublié l'accent sur le A. On est nard. Architecture, famille, flamme, manche, tapis, rire, luxe, pile, noyau, pinceau, cauchemar, coffre, grue, ours, paresseux, quartier et balai. Sans S. Ah oh non. Et moi, j'avais un doute, mais... Le gars, il va y avoir un anglais. Tradition, bronze, sabre. Un balai, c'est avec un S. Je te laisse faire, Guillaume. Ah non, on voulait bien qu'il y ait écrit comment, balai? Il manque le S. Tout s'est effondré en une minute. Je suis sûr qu'il y aura un troisième truc, mais du début de la vidéo, un truc que j'ai raté. Il s'appelle pas Hello Carré, c'est un autre rappeur. Cousin, famille, ça me paraît bien. Bâtiment, peintre en bâtiment, pinceau peut-être. Balai sans S, bizarre. Grue, bâtiment et bourse, ménage. Tu fais le ménage avec tes bourses? Ouais. Balai, ménage, sabre, action, film d'action. Action, cousin, cousin, action. Là, il n'y a plus d'action. Le cousin, pourquoi ça ferait une action? Attends, la seule action qu'il y a là, c'est le rire. Noyau familial, cousin. Allez, j'ai comme ça. Je pensais que ça allait être un peu plus simple que ça. Je suis un peu déçu. Ta première rencontre avec Pierre? Ça fait toujours la même chose. Franchement, là, il y a beaucoup de trucs de faux, quoi. Il y a beaucoup de trucs de faux. Ça ne va pas, Pierre. Bon alors, peintre en bâtiment, pinceau. Ah, mais dès que les mots sont bien écrits, je comprends que ça... Hein. Quand on a passé 30 ans à écrire, bon, action avec un X. Ça... Bourse, c'est un bâtiment. La bourse à Paris. Ton cousin au quartier. Un cousin, quoi. C'est au petit cas. Moi, je suis sûr que c'est ça. Tapis. Bah, tant mieux. On croyait que t'hésitais depuis le début. C'est quoi ça, c'est... Tu foutais le doute, hein. Allez, sans grande conviction, hein. On approche de la fin de ça, mais on n'y est pas. On n'y est pas encore totalement en fait. Il y a cette carte là qui est fausse.
et uniquement celle-là. Égalité pure, pas de mort, les gars. Action, les actions, la bourse et comme la pile. Du coup, les... bon, toi t'es un S. Hein. Oui, c'est vrai, j'ai hésité. Il y a les piles, il y a la marque Action aussi. Des piles ? Oui. Bon, je les ai pas tous. Du coup, bâtiment, architecture, bien joué. Et le dernier, ben, ménage, tapis et balai. Ouais. Donc peut-être je suis allé peut-être un peu loin sur action, bourse, etc. Tout peut pas être donné facilement non plus. Hein. C'est bien de réfléchir. Égalité parfaite. Égalité parfaite. Parfait, bravo. Oh, ouais. Pas fastoche. Très bien en tout cas comme jeu. Cool. On a bien rigolé. Évidemment, vous pouvez vous fournir le jeu So Clover. Il y a un lien en description pour se le fournir. C'est François Romain qui nous a créé ça. Bravo à lui. Merci à Allo Carré. Il faut aller écouter un petit peu ses sons. Il y a des choses qui arrivent. Ouais, carrément. Des prochains freestyles et des prochains morceaux. J'essaye d'être très très actif au moins sur TikTok. Au moins. Et sur Insta aussi, carrément. Benjamin, merci. Toujours un plaisir. Merci à vous. Merci de l'invitation. Ravi de t'avoir rencontré. Moi aussi, c'est un plaisir. Un plaisir de ne pas mourir aussi. Bien sûr. Cette égalité parfaite. Et merci Guillaume aussi. Fin de vidéo.